Salut tout le monde, c'est Monsieur X de SegaMac.com et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, eh bien, on va tester un jeu sur PC, un nouveau jeu sur PC et le jeu qui va être testé, bah, ça va être Renegade Ops comme vous pouvez actuellement le voir sur cet écran. Alors je tiens quand même à préciser que les Miss SCK ne seront pas présents dans cette nouvelle vidéo, tout simplement par un manque de temps aussi, par rapport comme dans mes tests précédents, par un manque de temps pour pouvoir refaire les tests rétro, et aussi un manque de motivation pour les faire apparaître. Donc du moment qu'elles sont présentes, je ne compte pas les faire disparaître de sitôt, hein, ça soyez-en sûr et certain. Donc elles feront la partie vidéo de Renegade Ops, puisque comme je l'avais dit, la partie vidéo et audio seront indépendantes, comme ça a été le cas pour Sonic All-Star Racing Transformed et Viking Battle for Asgard. Donc ce seront les Miss qui vont jouer, tandis que moi je ferai la présentation du titre à la partie audio. Alors Renegade Ops, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est un jeu d'action et de démolition. Si je vous dis The Expendable en jeu vidéo, et voilà, en une phrase je vous décris ce que va être Renegade Ops, puisque c'est tout simplement un jeu dans lequel vous dirigez un véhicule d'un des renégats et vous allez tout détruire devant vous, tout détruire dans le seul but d'empêcher un psychopathe du nom d'Inferno de conquérir le monde, ou plutôt de le détruire, puisque quand vous allez voir l'intro du jeu, en fait vous allez voir une ville qui va être totalement rayée de la carte grâce à un missile très puissant, et dans lequel un personnage du nom d'Inferno bah, a décidé tout simplement de faire exploser cette ville et de dire voilà, vous me payez ou bien je vous fais cramer d'autres villes. Bref, c'est un personnage dans lequel dans l'intro aussi on voit les Nations Unies qui prévoit de, justement de payer la rançon face à Inferno, et un général, ou plutôt un ancien général présent dans la salle avec une dit clairement: Inferno, c'est le genre de mec que même si vous payez, il va vous exploser à la gueule parce que c'est dans son bon plaisir. Donc après du coup, voyant le refus de des dirigeants du monde entier, il décide se retirer de l'armée, de prendre une équipe de mercenaires, de renégats tout simplement, et de partir à la chasse à Inferno et de tout détruire sur son passage pour empêcher ce dernier de conquérir le monde. Donc déjà on voit que le scénario, c'est un scénario tout à fait basique, et c'était un scénario dans lequel Avalanche Studio, qui est connu pour avoir fait les jeux Just Cause, ben, s'est inspiré de la série des films The Expendable. Donc dans cette série de films dans lequel tous les acteurs des films d'action, que ce soit du passé ou du présent, se sont tous réunis pour faire un film dans lequel on les voit tous à l'œuvre, en train de tout détruire, en train de tout massacrer devant soi, et juste pour le bon plaisir de retrouver tous ces acteurs dans un seul et même film, et de se dire waouh, ça c'est le meilleur film au monde. Parce que de voir par exemple Jason Statham, Sylvester Stallone, Jet Li, Chuck Norris, même s'il a fait qu'une apparition, Jean-Claude Van Damme, même s'il a fait en tant que méchant dans le deuxième film, après d'autres acteurs dont j'ai un peu oublié les noms, bah, quand on voit tous ces retours de ces acteurs là Bruce Willis, j'avais dit Jason Statham, oui, donc bref, vous voyez, il y avait des acteurs des films du passé et des acteurs actuels, donc le Jason Statham, qui se sont tous retrouvés pour finalement nous faire des bons films d'action pur et dur, certes avec un scénario qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est tout, c'est le principal. Le principal, c'est de se faire plaisir en profitant des scènes d'action. D'ailleurs, on peut dire que Renegade Ops, c'est aussi le jeu qui a été approuvé par Michael Bay, donc un réalisateur de ciné qui est réputé pour foutre des explosions à tout bout de champ. D'ailleurs, on peut voir une vidéo du Titanic dans lequel, si Titanic avait été fait par Michael Bay, qu'est-ce que ça aurait donné? Le Titanic est en train de couler, on voit des explosions partout, tout ce que vous voulez, bref. Bref, Renegade Ops, c'est un jeu d'action et de démolition qui a été développé par Avalanche Studio et qui sera édité par Sega. Donc c'est un jeu en dématérialisé, on ne le trouvera pas en physique, du moins pas à ma connaissance, et qui est sorti en fait sur PC ainsi que sur PlayStation Network et Xbox Live. Donc sur le PSN et sur Xbox Live, il est sorti en mois de septembre 2011, tandis que sur PC via Steam, il sortira le mois suivant, donc en octobre 2011. Donc résultat, c'est un jeu d'action et de démolition dans lequel vous allez diriger des véhicules. Donc dans chaque véhicule, il y a un renégat, donc on ne le joue pas directement le renégat. On joue le véhicule dans lequel il est, et dans chacun de ces véhicules, va avoir une capacité spéciale pour remplir les missions, les objectifs de mission durant la partie.
Puisque le jeu d'action va se situer à différents endroits, que ce soit dans, que ce soit en Amérique centrale comme en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou bien en Allemagne, dans lequel vous avez des missions qui vont s'ajouter au fur et à mesure que vous allez progresser sur la carte. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la chose, pensez au jeu Desert Strike sur Mega Drive dans lequel on avait un grand terrain et dans lequel on avait une mission qui nous était donnée dès le départ et que pour avoir accès à la mission suivante, il fallait déjà remplir la mission qui était en cours. Et bien pour Renegade Ops c'est pareil, sauf que là contrairement à Desert Strike c'est un jeu qui va être assez linéaire, c'est à dire vous allez partir du point A au point B et suivant certaines cartes vous allez peut-être éventuellement faire demi-tour pour aller de l'autre côté, au lieu de partir par exemple à un objectif qui se trouve à l'est. Et bien après on va vous dire il faut aller quasiment à l'ouest, donc retraverser la carte pour aller finalement rejoindre l'objectif qui se trouve à l'ouest. Donc il y a certains niveaux dans lesquels c'est linéaire, il suffira tout simplement d'avancer du point A au point B en suivant les objectifs qui nous est donné en cours de route, détruire des tanks, détruire des maisons, arriver à destination, bref, il y a des niveaux qui peuvent être linéaires, tandis que d'autres, c'est, voilà, vous allez éventuellement faire quelques petits allers-retours. Alors je tiens quand même à le dire tout de suite, les cartes sont très vastes, hein, donc vous n'allez pas vous ennuyer d'office. Et dans lequel, je tiens quand même à préciser que pour la version PC, puisque c'est la version PC, donc via Steam, qui va être testée, une manette est fortement recommandée. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a certaines touches dans lesquelles vous allez appuyer sur le bouton A pour accélérer votre véhicule, pour l'accélérer, tandis que quand vous appuyez sur le joystick gauche, en fait, vous dirigez votre véhicule de manière normale, à la vitesse normale. Mais si vous appuyez sur le bouton A pendant que vous dirigez le véhicule, là, il va accélérer, donc... Il va certes accélérer, mais ce sera un petit peu plus compliqué pour le diriger, notamment lors de virages assez serrés. Hein. Et tandis que le joystick gauche de la manette Xbox 360 pour la version Steam, le joystick droit je veux dire, en fait ça va être un joystick qui va vous servir pour justement diriger la mitrailleuse avec les balles illimitées, les balles à l'infini, pour pouvoir éliminer toutes vos cibles. Parce que oui, chaque véhicule des Renegades possède une mitrailleuse que l'on peut évoluer jusqu'au niveau 3, on l'entend par aussi par rapport au bruit, et je peux vous assurer que les dégâts peuvent être encore plus impressionnants que le film avec le plus d'explosions de Michael Bay. Hein. Donc tout ça pour dire que le joystick droit va servir à diriger à 360 degrés votre mitrailleuse, tandis que le joystick gauche lui va permettre de diriger pareil dans 360 degrés le véhicule. D'ailleurs il faut savoir que le jeu, quand vous le voyez actuellement sur l'écran, le jeu en fait se déroule en phase aérienne, c'est à dire que vous voyez votre véhicule qui est toujours au centre de l'écran et après par la suite vous voyez toujours l'environnement qui se déroule au fur et à mesure, comme vous voyez les ennemis, les tourelles, les gros tanks, les objectifs de mission, et vous avez souvent les objectifs de mission qui vous sont indiqués grâce aux flèches rouges. Donc bien entendu vous avez des objectifs secondaires dans lesquels c'est facultatif certes, mais ça vous rapporte toujours des points, puisque Renegade Ops c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui ne se prend pas la tête au niveau de son histoire. Vous êtes une bande de renégats et vous suivez des objectifs dans lesquels vous allez casser la gueule à Inferno suivant à différentes parties du monde. Donc après, il y a aussi le côté scoring, puisque dans le gameplay de Renegade, de ce jeu, en fait, vous avez aussi un score qui s'affiche en haut à gauche de l'écran, et dans lequel vous pouvez faire des combinaisons de coups, des combos de destruction, si vous arrivez à détruire, faire plus de deux explosions d'affilée, vous avez un combo qui s'affiche en bas à droite, et plus vous arrivez à entretenir ce combo, plus les points vont augmenter. Et donc dans ce cas-là, ça va vous servir aussi pour votre évaluation finale, pour votre évaluation à la fin du niveau en question, puisque vous avez plusieurs rangs qui vont se faire qui peuvent être de médiocres jusqu'au niveau extraterrestre. Donc ça dépendra aussi du type de combo que vous allez faire et par la suite du score que vous allez effectuer. Donc il y a aussi à ça qui peut jouer là-dessus. Donc le côté scoring pour finalement refaire le jeu. Ok, on a fini le jeu une fois par rapport à son histoire, c'était sympa. Et bah tiens, on va refaire une nouvelle partie des anciennes missions, mais avec justement l'intérêt de vouloir faire un gros score comme pas permis. D'ailleurs, il faut savoir que plus vous montez en niveau de difficulté, donc si vous montez en niveau de difficile, et ben les scores, les bonus, les scores en question sont plus que doublés. Par exemple, si vous éliminez un ennemi en mode normal, je crois que vous gagnez 600 points, mais si vous l'éliminez en difficile, vous gagnez 1200 points. Donc c'est pas rien aussi. Puis il faut savoir aussi une chose, que Renegade Ops permet une coopération jusqu'à 4. Il permet de jouer jusqu'à 4 en même temps.
Donc vous avez vu que déjà d'office, le jeu nous proposera au moins 4 personnages. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dès le départ, le jeu ne nous en propose pas 5, mais que 4. Puisque le général Bryant, donc on a vu à l'écran d'intro du jeu, donc l'intro du jeu, mais en fait ça va être notre leader, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas un personnage jouable. On aura quasiment d'autres personnages, que ce soit Armand, que ça soit Foxy, que ça soit... Alors attendez que je regarde au niveau des noms aussi, parce que... Il y a en fait, on va voir plusieurs variétés, une grande variété des personnages en question, que ça soit au niveau des capacités que par rapport aussi au design, parce que comment dire ça, tout simplement, on va commencer déjà directement avec le, on va commencer directement avec Armand, donc qui est le grand noir de l'équipe, qui lui possède un véhicule qui, dans sa capacité spéciale, c'est de faire en sorte que son véhicule soit ultra protégé, ultra résistant, qui peut se déplacer, mais dans ce cas-là, il ne peut pas tirer. Donc en termes de protection, c'est le plus résistant de toutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a j'avais dit Foxy, mais en fait, je confondais avec Roxy. Diz, on a une petite brunette, Diz, qui est en fait la femme avec les cheveux noirs et tout, dans l'équipe. Elle possède la capacité de créer une onde de choc qui permet de désactiver les attaques ennemies, l'artillerie ennemie pendant quelques secondes aussi. Et suivant les capacités, après, le champ de force peut évoluer. Tandis qu'on a Roxy, qui est en fait la punk du groupe, dans lequel elle balance à une frappe aérienne en 4 pépins. Bon, même si j'ai très peu utilisé ce personnage, j'avais vu des vidéos par rapport à elle, même si j'ai très peu utilisé, dans lequel justement une frappe aérienne arrivait dans la zone en question dans laquelle elle était. Tandis que Gunnar, donc qui est en fait le blond de l'équipe, du moins des personnages de base, parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis personnage de base, parce qu'il y a des DLC aussi par la suite. Donc Gunnar, qu'en fait lui a un gros canon, mais dans lequel le gros canon, si on veut l'utiliser, le véhicule doit être à l'arrêt. Donc vous voyez, il y a chaque véhicule possède ses propres capacités, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'armes secondaires, que ce soit en termes de capacités spéciales. Je peux vous assurer que quand vous allez commencer une mission, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire évoluer votre personnage. Parce qu'il y a aussi un petit côté RPG là-dedans. Parce que plus vous faites un gros score, plus vous gagnez, plus vous montez niveau. Et donc vous le verrez d'office quand vous avez une espèce d'éclair qui arrive sur le véhicule. Votre véhicule arrive au niveau supérieur et dans lequel vous gagnez des points d'amélioration, d'espèces de médailles avec le logo des renégats, et dans lequel ces médailles, ces points d'amélioration vont vous servir à pouvoir acheter des améliorations par rapport à votre personnage, mais uniquement que par rapport à votre personnage individuel. Donc dites-vous que si vous achetez des améliorations, il n'y en a pas pour le groupe, il n'y en a que pour chacun des membres. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir que quand vous jouez un personnage, vous l'évoluez uniquement que pour lui, pas pour le groupe. Contrairement à certains jeux dans lesquels on avait la possibilité de gagner des points d'expérience et soit on avait la possibilité de faire soit pour le personnage en question, soit pour le groupe. Je pense notamment au Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Son concept était à peu près le même. Les points d'expérience qu'on gagnait, c'était soit pour le personnage qu'on avait incarné, soit pour la communauté en question. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les points que l'on gagne, c'est pour son propre personnage. Donc on peut choisir de personnage entre chaque niveau, c'est-à-dire chaque fois que vous allez commencer un niveau, je dis bien niveau, pas mission, hein. Chaque fois que vous allez commencer un niveau, vous avez la possibilité de commencer avec n'importe quel personnage. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a un personnage bonus qui est présent d'office dans le jeu pour la version Steam, c'est Gordon Freeman de Half-Life. D'ailleurs, ce personnage-là est très rapide et permet de faire appel à sa capacité à faire appel à des fourmilions qui attaquent les ennemis aux alentours. Donc Gordon Freeman, qui, on le sait, fait partie de ce type de jeu créé par la société Valve, donc qui est aussi la société qui a créé le Steam. Donc déjà, Gordon Freeman est aussi présent d'office, donc c'est un personnage bonus qui ne fait pas partie de l'histoire de Renegade, et tandis qu'on va avoir deux nouveaux personnages qui apparaîtront, mais en DLC. Ça, je vais en revenir un petit peu plus tard. Alors aussi, ce que vous avez pu remarquer, c'est qu'en fait, au niveau du jeu en lui-même, on a quand même une grande variété, une très bonne réalisation au niveau des terrains. On voit effectivement, que ça soit en arrière ou en premier plan depuis la vue aérienne, que finalement il y a un travail qui a été mené au niveau de la carte et dans lequel c'est pas une surface plate comme un tapis. On voit qu'il y a des reliefs qui ont été faits là-dessus en termes de design. On le voit aussi par rapport quand notre personnage se déroule, quand notre personnage en fait fait descendre, on le voit d'office, on le sent que le personnage est en fait en train de faire une pente, tout comme il est en train de faire une montée. Donc c'est pour ça
qui on le voit par rapport au type du véhicule, que ça soit par rapport aux ennemis, que ça soit aussi par rapport au relief. Donc on voit que Avalanche Studio a beaucoup travaillé ses cartes en question, et on peut dire effectivement que c'est vraiment du très très bon travail, c'est même un excellent travail, c'est très bien réussi là-dessus. Et quand on le voit aussi par rapport à perspective, quand on se déplace, quand on a par exemple le premier niveau, vous avez vu avec l'église dans lequel justement quand on se déplace, bah, l'église a le perspective, elle se déplace aussi. Donc c'est pas vraiment une surface plate, c'est pas un jeu dans lequel on a juste notre véhicule qui est en relief tandis que tout le reste c'est une surface plate. Non, on n'a pas du tout ça. D'ailleurs, on le voit aussi par rapport à certaines déformations, comme notamment au niveau de l'Afrique, qui ont vraiment joué là-dessus, parce qu'on a trois niveaux qui vont se jouer par rapport au niveau africain, et on voit que par rapport à l'environnement, que la forme de chaleur, la source de chaleur est présente là-dessus aussi. Donc on le voit aussi que quand on descend par exemple dans des pentes ou quoi, où on va dans des ravins, on le voit qu'il y a aussi du travail qui a été fait par rapport, que ce soit au niveau du déplacement des ennemis, qu'il n'y a vraiment strictement aucun ralentissement d'une manière générale. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut savoir aussi. Le jeu est fluide du début jusqu'à la fin. Et croyez-moi, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on fait nos premières missions. Donc c'est pour ça, il faut savoir que graphiquement parlant, le jeu est une réussite totale, et c'est vraiment un jeu qui est très beau visuellement parlant, que ce soit par rapport à son travail, que ce soit par rapport à son design des véhicules et par rapport aussi à son côté comics. Entre les scènes cinématiques, parce qu'il y a un côté comics qui joue là-dessus. Quand on voit nos personnages, que ce soit Brian Inferno ou bien d'autres qui parlent, on voit toujours les textes qui s'affichent dans une case à part. Donc on voit vraiment qu'il y a un petit côté comics qui a été vraiment joué là-dessus, et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour qui vraiment apporte, que je dis oui, je me répète beaucoup avec vraiment, qui apporte réellement une identité par rapport à Renegade. Donc c'est pour ça, il faut savoir qu'on a ce petit côté comics, tout en ayant ce petit côté réel. D'ailleurs, on le voit que ça se prend pas du tout au sérieux par rapport à son histoire, par rapport à ses explosions, par rapport à ses personnages. On le voit que c'est pas du tout sérieux. Imaginez un véhicule qui a des munitions illimitées pour aller casser la gueule aux ennemis en question. Quand c'est tout. Donc au niveau du gameplay, les personnages, les véhicules répondent vraiment correctement. Hein. Donc si vous n'arrivez pas à diriger votre véhicule, c'est qu'il faut arrêter d'accélérer à fond. Hein. Donc c'est pour ça, quand vous accélérez à fond, vous appuyez sur le bouton en question, et par la suite, eh bien, il faut appuyer sur le bouton A pour pouvoir accélérer. Et si vous maintenez enfoncé quand vous faites un virage, c'est sûr que vous allez avoir un peu de mal à le diriger. Donc le véhicule répond aisément, que ce soit pour les attaques, l'arme principale qu'est la mitrailleuse, tout comme l'arme secondaire, la capacité spéciale du personnage, ou bien l'arme secondaire, puisqu'il faut savoir que aussi en dehors des capacités, de la capacité spéciale du véhicule, les renégats peuvent avoir une arme secondaire. Ça peut être un canon électrique, un lance-roquette, ça peut être un lance-flamme aussi. Donc c'est pour ça, on a la possibilité de récupérer des munitions dans les missions, et pour pouvoir et améliorer son arme principale, la mitrailleuse, bah, il suffit tout simplement de récupérer un boîtier bleu que l'on détruit soit par rapport à l'environnement, que ce soit des ennemis directement, des tours, des tanks, des lance-flammes, ou bien détruire des environnements aux alentours comme des caisses explosives ou ce que vous voulez. Bref, plus vous détruisez, plus... voilà, c'est démolition, c'est le mot qui vient à l'esprit de Renegade Ops. Tout simplement. Alors il faut savoir aussi que dans le système de son histoire, alors il faut savoir que son histoire, en fait, au niveau de sa durée de vie, le jeu se termine assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, puisque quand vous faites le jeu en mode normal, vous n'avez que 9 missions en tout, quand vous le finissez en mode normal. Mais quand vous allez le faire en mode difficile, là c'est une autre paire de manches, parce que les dégâts que vous allez recevoir sont beaucoup plus importants que par rapport au mode normal, ce qui est quand même tout à fait logique. Et bien entendu, les points de santé, les boîtiers de santé que vous récupérez au fur et à mesure ne vous régénéreront pas autant que par rapport au mode normal. D'ailleurs, il faut savoir aussi que quand vous faites le jeu en mode difficile, le score est doublé.
Puisque oui, contrairement à l'histoire principale, le jeu permet aussi une rejouabilité, une jouabilité de nouveau par rapport à son scoring. Puisque quand vous regardez bien en haut à gauche, vous avez un score qui s'affiche, tandis que vous avez en bas à droite un multiplicateur de combo qui s'affiche en bas quand vous faites plus de deux explosions. Et plus vous maintenez ce multiplicateur de combo, et bien plus les scores sont importants. D'ailleurs, il y a même un success team qui consiste à faire un combo de plus de 50. Donc ce n'est pas, c'est un success team qui est assez difficile à obtenir, mais pas impossible. D'ailleurs, je fais partie des très rares, pour ma part, sans me la péter, je fais partie des très rares par rapport aux statistiques des succès généraux sur Steam, à faire partie de ceux qui ont obtenu ce succès en question. Donc il faut savoir que c'est un jeu qui ne se prend pas la tête, qui est là, on est là pour tout démolir. C'est un jeu qui se base aussi sur le scoring et qui peut être joué jusqu'à 4 en même temps. Parce que oui, contrairement à dans la plupart des jeux qui sont à 1 ou 2 joueurs, Renegade Ops permet de jouer jusqu'à 4 en coopération. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un délire dans lequel on se dit « Bah tiens, je vais partir en premier pour assurer » et puis le collègue dit « Aidez-moi !» parce qu'il a reçu un comité d'accueil et les autres doivent arriver derrière pour pouvoir le protéger en même temps. Parce que c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est tous les Renegades en même temps, sauf ceux en DLC pour l'instant. Puisque vous avez, comme je l'ai dit, vous avez les 4 renégats de base, vous avez Gordon Freeman en tant que perso bonus. Et après, voilà, c'est un jeu qui joue énormément sur le scoring et qu'on reprend toujours un plaisir à vouloir faire un meilleur score comme pas permis après avoir terminé le jeu une première fois. Donc le jeu se compose de 9 niveaux en tout, donc 9 niveaux dans lesquels vous avez des objectifs qui ne sont pas forcément très variés les uns les autres, mais dans lesquels c'est toujours à peu près la même chose. Vous détruisez tout ce que vous voyez devant vous. Vous avez des fois de temps en temps des missions dans lesquelles vous devrez servir de soutien aérien par rapport à un objectif dans lequel Brian se trouverait là-dedans. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'en termes de mission, vous allez avoir la possibilité de diriger un hélicoptère. D'ailleurs, en dehors du véhicule de base de votre Renegat, bah, vous allez avoir 2-3 missions, je crois, la possibilité de diriger un hélico. Donc il y a aussi une petite variété, un petit changement du gameplay qui fait que, bon, c'est sympa, mais on en aurait préféré genre un peu plus par exemple. Après, c'est le contexte en lui-même qui le permet plus ou moins. Déjà, dès le premier niveau, vous pourrez diriger vers la fin du premier niveau l'hélicoptère en question, tandis que vous le referez dans quelques missions plus loin. Donc c'est pour ça. Il faut savoir que vous avez des objectifs qui sont plus ou moins variés, mais dans tous les cas, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire tout détruire, c'est démolition. Quand je vous ai dit que c'était Renegade Ops et Expendable en jeu vidéo, c'est pas pour rien, hein. C'est pas un jeu où il faut réfléchir. C'est un jeu dans lequel, bon, certes, il faut réfléchir pour savoir comment éviter de se faire défoncer la face très rapidement, mais après, il n'y a pas beaucoup d'énigmes, hein, pour ainsi dire. On est là pour tout détruire et se marrer. Donc vous avez aussi en fait au niveau de la bande son des musiques qui s'adaptent bien par rapport au jeu, mais après ce qui est assez dommage, c'est qu'il y a certaines musiques qui me plaisent bien mais qu'on les retrouve pas forcément sur le net, ce qui est assez dommage parce qu'il y a certaines musiques, notamment quand on affronte Inferno, qui est vraiment là pour te dire t'es là, tu fais un putain de duel face à Inferno et t'es là, t'es en train de l'affronter et si c'est pas toi qui le tue, bah c'est lui qui va te foutre bien dans la merde comme pas permis. Et voilà, il y a des musiques qui nous mettent vraiment dans l'ambiance, tout en dehors des bruits d'explosion, de mitrailleuses, donc voilà. Et le doublage français est plutôt correct dans l'ensemble. D'ailleurs, je trouve que la voix de Inferno est plutôt assez bonne dans l'ensemble. Même si le jeu ne se prend pas au sérieux, je reconnais que la voix d'Inferno ou du général Bryant, au début, ça peut éventuellement faire rire un petit peu, pardon. Ça peut éventuellement faire rire un petit peu, mais dans le fond, on s'y habitue. Et du coup, c'est pas désagréable. Hein. Au contraire, moi, je m'y suis adapté et puis ça me dérange pas plus que ça. Hein. Donc au niveau de la bande son, le doublage français est plutôt bon dans l'ensemble. Et on entend souvent les explosions. Mais les musiques sont aussi agréables. Elles nous mettent vraiment bien dans l'ambiance au niveau des missions. Hein. Donc après, voilà, c'est un résumé qui peut être assez bref par rapport au jeu en lui-même. Et c'est là où je vais venir par rapport aussi au DLC. Alors il faut savoir que Renegade Ops est en fait un jeu qui propose aussi deux DLC. Alors le premier DLC en fait consiste tout simplement à débloquer deux nouveaux Renegades. Donc vous avez Blazemo, donc un pyromane qui dirige une petite jet, un petit jet et puis qui permet justement de créer un bouclier de feu autour de lui. Tandis que vous avez Crystal qui, elle,
est en fait une femme qui ressemble un peu à Elsa de la Reine des Neiges de Disney. Quand je dis elle ressemble un peu, bah, c'est-à-dire aux mêmes coupes de cheveux, hein. Et qui, elle, possède un gros véhicule et dans lequel elle peut créer un champ de force. Donc en fait, ça rapporte un... C'est pas un DLC qui peut être forcément nécessaire, mais c'est toujours agréable de se dire on a deux nouveaux personnages en plus, qui fait qu'on peut continuer à les faire évoluer jusqu'au niveau maximum. Alors, certes, c'est un point que j'avais oublié de préciser par rapport à... au niveau du gameplay, c'est que quand vous gagnez, comme je l'avais dit, quand vous gagnez des points d'amélioration, vous pouvez acheter des améliorations pour un renégat simple, en termes de santé, en termes d'armes secondaires ou bien en termes de capacité spéciale du personnage. Dites-vous que le niveau maximal de chaque renégat peut être au niveau 45. Et dites-vous que pour en arriver au niveau 45 pour un seul renégat, et ben vous allez en passer du temps. Hein. Donc c'est pour ça, le niveau maximal d'un renégat, c'est 45. Donc après, par la suite, comme je l'avais précisé au niveau du DLC, donc vous avez Blazemo qui est en fait le pyromane de l'équipe, tandis que vous avez Crystal qui, elle, joue sur le champ de force en question. Alors après, en termes du second DLC, c'est tout simplement une nouvelle campagne dite la campagne Cold Strike, c'est-à-dire tout simplement c'est une campagne de 3 missions, de 3 niveaux, dans lequel l'environnement va être totalement différent par rapport à la campagne Inferno, puisque l'environnement de la campagne Cold Strike va se dérouler en fait dans un environnement glacier. Parce que l'histoire ne stipule pas que ce soit dans la campagne Inferno ou dans la campagne Cold Strike. En fait, ils ne disent pas spécialement la localisation exacte de chacune de ces missions. On sait qu'il y a déjà une mission qui se déroule en Afrique, mais où exactement, on ne sait pas. Tandis que l'autre se déroule du côté de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, puisqu'à un moment donné, vous allez avoir une localisation dans laquelle vous avez Inferno qui décide de piller les temples mayas ou aztèques, et tandis que une autre localisation de la campagne Inferno dans laquelle ça se situe plus du côté de l'Allemagne. Mais voilà, sans donner plus de détails, est-ce que c'est proche de Berlin, est-ce que c'est proche de telle ville ou je ne sais quoi, bref. Tandis que la campagne Cold Strike, on ne sait pas trop si, est-ce que c'est en Russie par exemple, est-ce que c'est en Sibérie, est-ce que c'est en Alaska, est-ce que c'est au Groenland, en Finlande, en Norvège, on n'en sait rien. Donc il faut savoir que la campagne Cold Strike, c'est vraiment l'environnement glaciaire qui se joue vraiment là-dessus. D'ailleurs, pour information, j'avais fait des vidéos justement de ces deux campagnes-là. Donc pour la campagne Inferno, pour la chaîne YouTube de Segamac.com, j'avais fait les 3 premières missions de la campagne Inferno et après de la première mission sur les 3 de la campagne Cold Strike, pour vous donner déjà un aperçu. Donc en fait, le DLC de la campagne Cold Strike, c'est assez intéressant aussi, ça apporte un bon plus et ça permet de répondre à certaines petites questions au niveau de l'histoire de la campagne Inferno. Parce que quand vous finissez la campagne Inferno, il y a certains petits points scénaristiques qui vous restent en suspens et se dit ouais, mais comment se fait-il qu'un tel puisse connaître un tel, comment ça s'est passé et tout. Et quand vous faites la campagne Cold Strike, eh bien ça rajoute un peu plus que par rapport à ça répond à quelques petites questions. Et c'est une campagne DLC qui se termine assez rapidement. Hein. Je pense qu'il faut compter à peu près une heure et demie pour faire ces 3 missions-là. Hein. Pareil pour en mode difficile, mais là vous allez en baver aussi, puisqu'il faut savoir qu'il y a des modèles dans la campagne Cold Strike qui ne sont pas vraiment présents dans la campagne Inferno. Et je peux vous assurer qu'il y a certains modèles, des gros tanks, qui font encore plus mal que ceux d'Inferno. Hein. Donc c'est pour ça. Donc au niveau des DLC, les DLC sont plutôt corrects dans l'ensemble, ils valent le coup. Bon après, la campagne Cold Strike reste assez intéressante. Reste à savoir si vous, en tant que joueur, vous allez être intéressé par le fait de jouer Blazemo ou bien Crystal, les deux persos DLC. Mais pour ma part, je les ai pris et j'en suis pas déçu. Après tout, ça rajoute un peu plus de variété au niveau de la sélection des personnages et c'est quand même pas plus mal. Pour moi, un jeu qui possède plusieurs personnages que l'on peut choisir à chaque début de mission, pour moi c'est un bon plus. Même si c'est en DLC, c'est un bon plus, c'est un point bien sympathique aussi à rajouter. Donc que penser éventuellement de Renegade Ops sur PC, déjà que c'est la version PC qui est jouée. Et bien que c'est un jeu qui mérite de faire partie de votre ludothèque Sega, tout simplement, parce que c'est un jeu défouloir, c'est un jeu d'action, c'est un jeu de démolition dans lequel les véhicules répondent aisément. Certes, les objectifs sont peu variés, le jeu est très beau graphiquement parlant,
quand je dis aucun ralentissement n'a été constaté du début jusqu'à la fin. La possibilité d'améliorer son Renegat en achetant, en utilisant des points d'amélioration acquis au fil des missions. Donc ce petit côté RPG qui rajoute un peu plus par rapport au jeu principal. Le côté scoring, la possibilité de jouer à 4 en même temps. Donc ce qui promet des parties assez rigolotes avec des collègues, que ce soit en coopération. Je crois pas qu'il y ait de mode duel, mais je peux vous assurer que Renegade Ops, en fait, c'est un excellent jeu qui mérite de faire partie de votre ludothèque par rapport, voilà, que j'avais dit. Par rapport à la variété des personnages, ces graphismes qui sont très beaux, sa durée de vie qui reste assez conséquente, c'est même, on pourrait presque dire que c'est le point faible du jeu, puisque le jeu peut se terminer rapidement, mais après en mode difficile, on arrive quand même à éprouver un peu de la difficulté. Son côté scoring qui est présent aussi, la plupart de ses DLC, donc deux personnages jouables, un plus, qui peut être un DLC pas forcément utile, mais bon, qui est toujours un bon point à rajouter. La campagne Cold Strike qui en rajoute aussi un peu plus, qui permet de changer d'environnement. Donc vraiment, c'est un excellent jeu dans lequel on passe un agréable moment, que ce soit seul ou à plusieurs, à tout détruire, à faire le meilleur score et à s'amuser. C'est déjà le principal. D'ailleurs, voilà, les personnages répondent correctement, la musique est toutefois bonne. Je regrette qu'on ne le retrouve pas facilement sur le net. Mais voilà. Donc, quelle note je vais pouvoir donner à Renegade Ops sorti sur PC? Ben, mis à part que c'est un jeu dématérialisé, je vais donner une excellente note de 17 sur 20. Et encore, 17 sur 20, ça inclut avec les DLC en question. Sinon, je lui aurais donné une note de 15-16. Mais 17 sur 20, c'est en rapport aussi avec les DLC qui vont avec. Donc Renegade Ops, c'est un excellent jeu qui mérite de faire partie de votre ludothèque. Et de ce fait, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut! Mais qu'est-ce que c'est? Bordel! C'est une ogive armée! Faut se tirer d'ici maintenant!